fait, il prend son appareil photo, il ouvre l'obturateur. Comme il est dans l'obscurité, la lumière ne s'inscrit pas sur la pellicule. Et il va parcourir le paysage, le portrait ou la personne, avec des espèces de pinceaux de lumière, des petites lampes, avec différentes couleurs. Et il va peindre directement avec une technique de peinture. Il a des pochoirs, il a des pinceaux, il a des lampes torches. Il va peindre directement la personne ou le paysage devant l'obturateur de l'appareil photo. Lui, il est habillé tout en noir, donc l'appareil photo ne le voit pas. Et par contre, il peut peindre le paysage et faire le portrait de la personne. Donc ça dure, clic, il ouvre l'obturateur, ça dure 5-10 minutes, le temps qu'il faut. Clic, il appuie sur l'obturateur et là, ça capture toute la lumière de la peinture, mais qu'il a fait en réel ou en virtuel. Et toutes les traces de lumière que vous voyez, ben c'est, il faut vous imaginer un paysage dans l'obscurité totale, un appareil photo posé sur un pied, Rudy Candion habillé tout en noir, qui parcourt tous les paysages avec son pinceau de lumière. Donc là, c'est lui qui a parcouru, c'est son parcours en fait, avec toute la lumière. Il a peint ça, il a passé du rouge là, ensuite il a passé du jaune là, il a passé du vert sur le gazon. Enfin, c'est une façon complètement originale de peindre un paysage. Tu vas chercher où tout le décorum là? C'est pas moi qui vraiment qui fait la mise en scène. Hein. Je vais chez les gens là, à chaque fois quand je fais la récolte. Là en fait on l'a fait. Ça par exemple c'est quoi ce truc là? Ça c'est la toile de Mathieu justement, qu'il avait, c'est une toile qu'il a. Ah d'accord, c'est un tableau. Un tableau, ouais. Ah oui. C'est fou comme les blancs ressortent. C'est lui, il y a le côté graphique que j'aimais bien justement. La Mathieu dans la gestuelle parce que c'est un peu la même énergie que j'ai quand je peins. Tu vois. Comme là, ça c'était des petites pauses que j'ai fait en 15 minutes. C'était comment dire, la contrainte que j'avais, parce que j'avais récupéré un appareil en vacances et où j'étais. Et la pause la plus longue, c'était 15 secondes, je veux dire, 15 minutes, 15 secondes. Donc c'est vraiment de l'esquisse là, c'est de l'ordre de l'esquisse. L'esquisse en 15 secondes. Vous avez un modèle devant vous, vous avez 15 secondes pour faire l'esquisse. Toutes les 15 secondes, le modèle change de position. Voilà. Rudy l'a fait pendant qu'il était au Beaux-Arts. Il a appliqué à sa méthode à lui. Donc, il a mis une pause de 15 secondes et il a fait des autoportraits en 15 secondes. Et donc, à chaque fois, voilà, c'est l'exercice, c'est sa vision un peu de... sa vision dans son univers de l'exercice très académique de l'esquisse des Beaux-Arts. Et encore une fois, là, on retrouve du Picasso, on retrouve du Bacon, on retrouve tout un tas de références assez connues du marché de l'art. Moi, ce qui me touche particulièrement aussi, c'est qu'il arrive à faire fusionner les matières. Il fait fusionner les matières organiques, inorganiques. Et là, par exemple, puisque j'ai bougé à un moment, je suis sorti du fauteuil pendant 20 secondes, et il a peint le fauteuil. Du coup, il a fait fusionner ma jambe avec le fauteuil. La dynamique qu'on est en train de lancer avec lui, c'est le portrait à la commande. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, dans l'art contemporain, les œuvres d'art sont relativement impersonnelles. Alors, ce que vous propose Rudy, c'est plutôt que vous soyez le sujet de votre œuvre d'art, et ce que propose Rudy aussi, c'est que vous participiez au processus de création. Voilà. Donc, vous êtes vraiment acteur dans son œuvre.